قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي لافتقاري فلهذا السر ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي يا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, salallahu wa sallam sur ses compagnons, ses amis, sa famille, <coughs> ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, euh, vous pouvez l'entendre comme moi, c'est la grande cacophonie mondiale. On est passé euh, de la grande folie du Covid-19 à la grande folie du racisme, du euh, Black Lives Matter, etc., etc. Euh, je vois pas beaucoup de déclarations intéressantes ou intelligentes venant de nos prédicateurs sur le sujet. C'est le calme plat du côté de nos, nos grands phares euh, qui sont avec des centaines de milliers d'abonnés. Bon, soit, c'est pas grave. Et donc, je voulais un petit peu vous donner un point de vue. Euh, islamique, personnel, sur la question. J'en ai souvent parlé, j'ai souvent été mal compris, mais c'est pas grave. Euh, on continue en essayant euh, qu'avec la persévérance, amène des résultats, Insh'Allah. Euh, Au-delà de cette histoire de racisme, parce qu'on m'envoie beaucoup de choses, donc il euh, y, y a beaucoup de petites choses euh, que j'aimerais évoquer, qui demandent des commentaires. Est-ce que je me doute bien que ça peut, ça peut ne pas être évident pour tout le monde euh, Première chose sur laquelle je voulais m'attarder, c'est une vidéo qui circule, que j'ai découvert sur un site euh, d'extrême droite, déguisé en site euh, d'information. Mais c'est pas grave, hein, chacun... Chaque, je veux dire, euh, à la guerre comme à la guerre, comme on dit. Euh, en fait, on est dans une espèce d'assemblée, en Angleterre je pense, où il y a un prêcheur musulman et une, une foule de jeunes devant lui, ou moins jeunes, mais pas mal de jeunes. Et alors, euh, le prêcheur veut faire une démonstration. Il dit euh, Est-ce que vous vous sentez extrémiste, radicaliste Levez la main. Personne ne lève la main. Euh, il dit Bon, euh, dans ce cas, euh, est-ce que vous pensez qu'on a bien fait dans cette réunion de séparer les hommes des femmes tout le monde lève la, enfin, beaucoup de gens lèvent la main, presque tout le monde. Ensuite, il dit euh, Est-ce que vous pensez que euh, les peines corporelles, les châtiments corporels, comme la flagellation, euh, l'amputation des mains et la, la lapidation des, des gens mariés, adultérins, etc., est, est, est quelque chose de respectable que Dieu a ordonné et qui est donc la meilleure façon de punir les hommes Presque tout le monde lève la main. Et ainsi de suite. Bon, En gros, la démonstration des gens qui ont fait la vidéo, c'est de dire être un bon musulman, respecter des choses de base de la religion islamique, c'est en fait être considéré comme un radicaliste par les non-musulmans. Donc, quand ils disent extrémiste radicaliste, ils visent le musulman de base. C'est ça le but des gens qui ont fait la vidéo. Et le but des gens qui l'ont diffusé, le site d'extrême droite, c'est de dire, vous voyez, ce n'est pas l'islamisme le problème, c'est l'islam, puisque les musulmans de base disent des choses qui nous choquent. Vous comprenez Donc, a priori, voilà, tout ça peut sembler assez joli, assez facile à comprendre, euh, mais évidemment, comme toujours dans la vie, ce n'est pas aussi simple. Parce que, je vais m'expliquer pourquoi, ce qu'il aurait fallu dire, parce que comme vous le savez, les vidéos qu'on publie, audio, vidéo, euh, sont visionnés pas que par des musulmans. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'islam, soit par intérêt, soit par intérêt pour critiquer. Donc, il faut, il faut en tenir compte. On ne peut pas euh, faire les choses comme ça en se disant, euh, euh, on dit ce qu'on a envie, et finalement, les musulmans, les musulmans feront le tri, ils vont comprendre. Même les musulmans ne sont pas aptes à comprendre. Et par exemple, cette vidéo, pour moi, je la trouve néfaste. Pas parce que je dis ça nous donne une mauvaise image chez les non-musulmans, il faut pas dire ci, si, il faut pas dire ça, C'est pas ça évidemment, pour ceux qui me connaissent, c'est pas ça le, le but de ma critique. Le but de ma critique c'est de dire attention, depuis de trop nombreuses années, on, on propage des informations sur l'islam sans profondeur, c'est-à-dire qu'on jette les choses à la figure des gens. Et puis on dit eh ben, que tu es euh, 7 ou 77 ans, tu feras le tri, à toi de comprendre, à toi de faire des recherches, à toi de lire les tafsirs, à toi de lire ceci, cela. Et en vérité, dans la vie réelle, personne ne le fait, ou très peu. Donc, moi j'invite tout le monde, comme je, je m'invite moi-même, à faire très attention quand on parle d'islam, de ne pas euh, propager des discours simplificateurs ou des discours culpabilisants sans donner de solution. Rappelez-vous, je le dis souvent dans mes audios, les conseilleurs, ce n'est pas les payeurs. Hein et donc quand on vous dit, Haram, 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 etc., c'est facile. Moi, je peux le faire aussi. Hein J'ouvre un livre, le Haram en islam, et je lis, hein tu peux pas, et tu peux pas, et attention, et tu peux pas. C'est interdit, truc, machin, tu sera maudit, le châtiment de la tombe. Bon. Quel est le but je, toujours, moi, j'invite les gens qui prêchent, avant qu'ils diffusent un PDF, un vid une vidéo, un audio, un, un, un de rousse, de toujours se dire quel est mon but, quel est vraiment mon but. Humilier les gens, rabaisser les gens, les faire sentir coupables, pour au final quoi Qu'ils qu apostasient, qu'ils soient dégoûtés, qu'ils qu 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 soient paralysés. Il y a des gens, moi je connais des gens. Qui ont, qui, qui ont lu beaucoup, ils ont beaucoup de science. Et le résultat, c'est qu'ils sont des gens paralysés. Ils n'osent plus rien dire, plus rien faire. Ils ne produisent rien, ni vidéo, ni audio, ni écrit, rien. Et au final, je mets en garde ces gens. Je ne vise personne. Chacun doit faire une introspection dans sa vie. Au final, il y a des gens qui ont un énorme bagage, islamique, de la langue arabe, beaucoup plus que moi, évidemment, beaucoup plus que moi, qui ne produisent rien, zéro, nada. Toute leur vie, c'est manger, les études de mes enfants, dormir et attendre que ça se passe. Voilà. Je, je jure que je n'exagère pas, je jure que c'est la vérité. Et j'en connais des dizaines, des gens qui ont voyagé, qui ont été en Égypte, qui ont été en Arabie saoudite qui ont étudié euh, des convertis, des maghrébins, qui ont un bagage. Ils ne produisent rien. Pourtant, de nos jours, regardez tous les outils. Vous pouvez faire des lives Instagram, vous pouvez faire des audios sur YouTube. Vous pouvez, on n'est plus obligé de louer des salles de conférence comme à l'époque, dans les années 90, c'était un peu compliqué. Fallait euh, avoir l'autorisation d'une mosquée, fallait faire de la publicité, fallait distribuer des flyers. C'était compliqué. J'ai connu cette époque. Aujourd'hui, non. Tu prends ton téléphone, une application d'enregistrement MP3 des voix, et puis tu montes ça sur une image fixe si tu pas le temps. Et même si 100 personnes écoutent, peut-être tu as fait un grand bien pour 2 trois personnes. C'est déjà une grande victoire. Eh bien, non. Donc, je reviens au sujet, excusez-moi. Euh, je voulais donc dire que. À un moment donné, à un moment donné euh, il faut faire attention à ce qu'on propage, à ce qu'on dit, sans être paralysé. Alors, où est-ce que je veux en venir avec cette vidéo Où est-ce que je veux en venir Je veux en venir au fait que, il est très important de dire aux musulmans, par rapport à la mixité, puisqu'ils parlent de séparer les hommes des femmes, par rapport aux peines corporelles, etc. D'expliquer tout le contexte autour. Et par exemple, de dire euh, les peines corporelles, les, les, les lapidations, etc., etc., sont des choses qui s'appliquent dans un cadre extrêmement strict par rapport au témoignage, etc. Et dans un cadre de justice sociale islamique. Comprenez Tu ne peux pas commencer à balancer des choses pareilles au milieu de gens qui sont sur le net, au milieu des films X, euh, 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 qui sont dans un, dans un état où euh, euh, plein de responsables, où le système lui-même vit sur le crédit, qui est en fait une espèce de vol organisé, etc. Enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas du tout le sujet. Mais je veux dire, il faut faire attention d'à un moment donné ne pas dire l'islam c'est simple, euh, l'islam, ben voilà les règles, et puis euh, que tu vives en Angleterre, au Yémen, ou en Afrique du Sud, ben c'est la même chose, et ben voilà l'information, faisant euh, faisant ce que tu veux. Non, il y a un contexte, il y a, y, a, y, a, y a les interprétations, il y a euh, les sources de jurisprudence, il y a les, comment on appelle, les... J'ai oublié le mot. Le... Les différences euh, entre les écoles. Euh, divergences, c'est ça le mot que je, que je cherchais. Il y a des divergences. Voilà ce que dit un tel, voilà ce que dit un tel. Attention, il faut voir le cas, etc. etc. Parce que sinon, c'est ce que je déplore, si vous suivez mes audios depuis longtemps, on se retrouve en fait devant un islam comme ça, euh, robotisé, tu peux, tu peux pas, euh, la barbe, le voile, la, la musique, le machin, etc., il n'y a pas de profondeur. Alors on, après, on se plaint. Après, après, tout le monde se plaint. Les mêmes qui ont fait ça. Après, ils se plaignent. Oh là là, euh, les jeunes, ils raisonnent comme des khawarij." Euh, C'est pas ça l'islam. Ah oui, mais tu as transmis quoi Tu as transmis quelque chose qui a amené à ça. Vous savez, euh, je fais une petite parenthèse parce que, pas du tout pour me blanchir, mais pour dire ce qui est. Vraiment. C'est important. Parce que beaucoup de gens m'accusent, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que mon Seigneur pense de moi. Vous savez que dans mon dossier de justice, quand, quand j'étais dans l'histoire de procès entre 2014 et 2016, vous savez que aucun jeune, aucun jeune qui est parti en Syrie, qui a voulu partir ou qui en est revenu, qu'on a interrogé, aucun jeune a dit les audios les d'abou audios Rayyan ont été une influence. ou, j'aime bien euh, euh, abou Rayyan. ce qu'il, aucun. aucun pour, pour, pour les mauvaises langues qui disent euh, comment tu oses parler, espèce de khawarij qui a influencé plein de jeunes. aucun. aucun parent de jeunes dit ce personnage a poussé mon fils à. aucun dans le dossier. D'où d'ailleurs ma, ma, ma révolte de me dire c'est quand même fou que des gens qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas influencé, qui n'ont pas de témoignage contre eux, on en vient à les emprisonner parce que ils ont fréquenté ou parce qu'ils ont euh, partagé un repas avec X, Y, Z. Moi je suis quelqu'un à l'époque, plus maintenant, qui partageait des repas et des invitations avec des gens que je ne connaissais pas et avec des gens avec qui je n'étais pas d'accord. Pour le plaisir du débat, je suis quelqu'un qui aime bien débattre. Je suis quelqu'un qui aime bien être confronté à des gens qui ne pensent pas comme moi. Parce, pas, pas, pas parce que je ne doute pas de moi et que je pense que je n'ai rien à apprendre des autres, parce que j'aime bien confronter mes certitudes ou mes pensées avec des gens qui ont d'autres certitudes et d'autres pensées. Et puis c'est preuve contre preuve, logique contre logique, euh, argument contre argument. Mais ça ne veut en aucun cas signifier que je suis d'accord avec tous les propos de gens que je suis amené à fréquenter. Ce serait ridicule de dire ça, en tout cas à l'époque. Donc je dis ça pourquoi Pour dire que ces discours, ces discours depuis, que je tiens depuis dix ans sont des discours profonds, construits, étayés, alimentés par des sciences religieuses et profanes et de l'expérience personnelle, sont loin d'être des discours qui poussent au raisonnement binaire et à créer une jeunesse euh, euh, je veux dire euh, basique, qui, qui a des raisonnements basiques et donc des actions basiques, blanc ou noir, euh, haram, halal, etc. C'est l'inverse de ce que je fais. Ces gens-là disent, il est casse-tête, il philosophe, il est fatigant. Au bout de dix minutes, ça me saoule. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent Parce que eux, ils n'aiment pas ça. Ils veulent quelqu'un qui crie, et eh, haram, et eh, halal, et eh, aladi, eh, attention, et eh, eh, archuma. Ah, bon, alors là, ils se sentent à l'aise. Ils sont secoués comme des pruniers. Ils disent, ah oui, ah d'accord, ah j'ai compris. C'est des gens qui sont en demande de simplicité. Tout ça pour dire quoi Pour dire que euh, c'est très facile de dire, euh, voilà l'islam, euh, et donc fatalement, si on respecte tout ça, eh ben on, est, on est vu comme un intégriste par les non-musulmans, et donc nous sommes des extrémistes et fiers de l'être parce que nous sommes musulmans. C'est irresponsable pour moi, c'est incomplet et c'est surtout faux. C'est surtout faux parce que les choses ne sont pas aussi simples. Les choses s'étudient dans un contexte, dans, au cas par cas, et dans toute une série de conditions qui font que ces choses-là sont possibles ou pas. C'est comme la question du djihad, de la hijra, de la polygamie. Je veux dire, euh, c'est de, de la folie. C'est de la folie collective d'évoquer des sujets aussi pointus aux conséquences aussi lourdes à la légère. On peut pas, on peut pas faire ça. D'ailleurs, personnellement, je me désavoue publiquement devant vous de, de peut-être certains audios que je n'ai pas en tête, mais certainement qu'ils existent, que j'ai pu tenir en 2011, 2010, 2012, qui étaient parfois trop simplis sur des questions de mariage. De, de... Oui, c'est une tentation. De vouloir simplifier, parce qu'on veut être écouté par le plus grand nombre, parce qu'on veut être facilement compris, donc on simplifie. Et quand on simplifie, malheureusement, on trahit. On peut pas trahir. On a une responsabilité devant Allah, et on peut pas précipiter des gens de, dans des situations euh, euh, de crise, de couple, de lieu de vie, d'éducation des enfants, parce qu'on a voulu simplifier. C'est pas possible. Ne peut pas se permettre ça. Il sera la même chose. Ah, il faut que... euh, le prophète s'aslam a dit qu'il se désavoue de, de tout musulman qui vit au milieu des moucherikines. Ah, il est une obligation. Bon, et on vous sort ta, 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 des preuves. Comme dans d'autres sujets. Et après, quand arrivent les solutions concrètes, euh, Ahri euh, demande à Allah qu'il te facilite. Euh, ah, oui, ben écoute, moi je connais tel ou tel converti, il vit très bien. Oui, mais tu dis, mais techniquement comment Où est-ce qu'il met ses enfants à l'école Comment il gagne sa vie Ah, tu sais, les gens, ils ne disent pas tout, on ne sait pas. Chacun se débrouille. Voilà, on est très évasif à ce moment-là. On n'est plus du tout euh, tranchant comme on l'était dans l'énumération les, dans les, les des preuves. Donc je dis, il faut faire attention. Et si celui qui vous parle ne fait pas attention, vous avez le devoir, en tant que personne qui écoute, de faire attention, en vous disant attention, peut-être cette personne qui me parle, elle simplifie, elle évite les questions-pièges, elle évite les, elle évite les, euh, les côtés euh, négatifs de la chose. Je dois être sur mes gardes, comprenez Parce que malheureusement, l'être humain, parfois il veut bien faire. Hein. Moi, je ne dis même pas que les gens sont manipulateurs. Je dis que parfois, les gens, ils veulent bien faire. Ils pensent vraiment que, voilà, euh, comme lui, il a fait sa hijra dans un, dans un, un immeuble euh, au Caire euh, qui reçoit euh, 300-400 euros de sa mère tous les mois par mandat. Il pense que tout le monde est dans le cas et que donc, c'est facile. Non, ça dépend. Ça dépend, c'est au cas par cas. D'où tu viens Quelles sont tes origines Quelles sont tes facilités Est-ce que tu as un, un business dans le monde virtuel Est-ce que tu peux générer des de l'argent ou que tu sois, ou bien c'est lié à un endroit. C'est compliqué. Donc ça demande ça demande de la profondeur. Bref, euh, voilà. Donc évidemment, quand on est simplificateur, et en plus qu'on donne une image de radicalité basique, eh bien oui, les sites d'extrême droite s'en donnent à cœur joie. Euh, on leur donne, du, on leur donne du, du, du grain à moudre, comme on dit. Bref. Euh, autre chose mais qui fonctionne selon le même principe. toute la question de adam traoré, euh, black lives matter, tout le monde s'agite, les sportifs, les politiciens, des gens sont licenciés de leur travail parce que ils n'ont pas donné une réponse assez forte. j'ai entendu que par exemple le commentateur de l'équipe de basket des sacramento kings a été licencié parce que quand on lui a dit que pensez-vous du mouvement euh, Black Lives Matter, il a répondu pour moi All Lives Matter. Toutes les vies sont demandent ont de l'importance. Ah donc tu désavoues le mouvement. Boum, quelqu'un qui avait 20 ans de carrière était. Et bon il y a plein de drames comme ça qui se passent. C'est la chasse aux sorcières comme d'habitude. Et puis il y a un an c'était MeToo, les femmes qui étaient victimes d'harcèlement. Enfin il y a des modes, hein? voilà il y a des modes et puis ça passe. Et puis après tout s'arrête parce qu'on dit ah, il y a un jeune tchétchène de 19 ans, euh, était dans la rue, il a crié à la Rokbar, il a blessé deux policiers. Ah oui, c'est vrai, on avait oublié le vieux dossier islamisme. Bon, allez, MeToo, machin à la poubelle, Covid, retournons à nos moutons, il y a de nouveau euh, matière à... Et voilà, et la masse, comme des bœufs, comme des moutons, va là, là où on les amène pour brouter. On broute tantôt du Covid, tantôt du MeToo, tantôt du Black Lives Matter, tantôt de l'islamisme, et plan vigie pirate, écarlate truc, opération gazelle dans la Mali, bon, voilà, le, le monde était un grand théâtre, euh, voilà. Après, euh, ce sont des questions importantes euh, qui demandent d'être très très loin des émotions, très très loin des raisonnements binaires, comme d'habitude, rien de nouveau, et qui demandent d'avoir beaucoup d'honnêteté, et donc de s'oublier. Dans la vie, pour pouvoir analyser de la manière la plus véridique possible une situation, il faut s'oublier, oublier son expérience personnelle, son vécu, ses a priori, parce que, par définition, ce qui est à vous, ce qui est de vous, n'est pas le monde, c'est vous. Et donc, dans cette histoire, je vais quand même prendre un petit peu le temps de donner mon point de vue, dans cette histoire de racisme, euh, voilà ce qu'il faut dire. Euh, prenons le cas de l'Amérique, puisque tout part de là. Le cas de l'Europe est un peu différent parce que c'était un mouvement inverse. Euh, voilà, des blancs qui venaient d'Irlande, d'Angleterre, d'Allemagne, de France, de Pologne, etc. Suite à des guerres, des famines, des crises, ont été euh, déba ont débarqué en Amérique. Là-bas. Euh, c'était la course à l'argent, puis il euh, y a eu tout le drame avec les Amérindiens, la montée des tribus les unes contre les autres, euh, plus les maladies, etc. Bref, euh, les Blancs ont, ont envahi l'Amérique du Nord. Ensuite, ils avaient besoin de main-d'œuvre, et ben, comme c'était l'époque de l'esclavage, ben, ils ont fait venir des bateaux et des bateaux et des bateaux, avec des esclaves qui venaient du Ghana, du Nigeria, du Gabon, du Bénin, etc., et euh, ces gens, ben voilà, ils se sont retrouvés là, ils ont travaillé un champ de coton, ils ont été, euh, ils ont été exploités en tant qu'êtres humains comme des bêtes en fait, hein, voilà, comme des des bêtes de somme. Et puis, ben avec le temps, ben, ces gens se sont euh, ont pris le nom de leur maître, euh, dont tous les noms non africains des Noirs américains. Et euh, comment dirais-je? Et ils ont vécu là, et puis quand il y a eu la révolution industrielle, bien les, les Noirs ont été parqués dans des ghettos, parce qu'on n'avait plus besoin de leur main-d'œuvre, les machines travaillant mieux et plus vite. Et euh, on est à la situation actuelle où voilà, les Noirs, euh... bon, je n'aime pas dire les Noirs, parce qu'il y a toutes sortes de Noirs, évidemment, mais la majorité des, des Noirs sont dans des ghettos avec tout ce que ça suppose manque d'éducation, malbouffe, guerre des gangs, drogue, les armes, l'alcool, etc. Et comme d'habitude, il y a un X% de ces gens-là qui émergent, qui vont à l'université, etc., etc., et qui euh, vivent plus ou moins comme des blancs. Bon. Ceci étant dit, je passais rapidement parce que l'histoire, c'est l'histoire, parlons du présent. Euh, ceci étant dit, aujourd'hui, on se retrouve dans la situation qui est laquelle. Il euh, y a des blancs, des blancs américains qui, comme tous les blancs, font peu d'enfants, avortent, ont des enfants homo, transgenres et compagnie, et qui donc se sentent envahis par les latinos, par les, les noirs américains, etc., et qui donc sont déjà dans une posture de peur, de peur parce que leur groupe n'est pas en expansion. Et que donc les autres groupes ne font que grossir par l'immigration ou par la reproduction. Ok. Euh, dans ces groupes, comme je viens de le dire, ben, il y a toutes sortes de gens, comme dans tous les groupes. Il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, il y a des gens euh, euh, mal éduqués, dangereux, etc. Bon. Étant donné les origines sociales des Noirs américains et des Latinos, il y a évidemment une surreprésentation de, de leur ethnie dans les prisons et dans les délits divers. Euh, infraction de la route, euh, dispute de couple, euh, coups et blessures, vol, euh, carjacking, homejacking, meurtre, etc. Ce qui a ce qui pour conséquence inévitable que dans l'inconscient collectif, euh, un noir ou un latino est plus suspect, plus source de méfiance qu'un blanc. Parce que il y a surreprésentation de leur ethnie dans les délits. Jusque-là, on est dans la mathématique, on est dans la logique, on n'est pas dans euh, la philosophie. Et donc, tout ceci amène des conséquences qui sont que les blancs ont peur les blancs développent un certain racisme si par racisme méfiance idem pour les policiers qui sont le fruit de leur époque de leur milieu euh, voilà rien d'étonnant et aussi ça on le dit pas assez et aussi chez les latinos ou les noirs américains qui ont réussi dans la vie et qui ont de l'argent, euh, qui ont des biens, euh, ils se retrouvent à être des proies aussi, puisqu'ils ont quitté la sphère des pauvres, des délinquants, etc. Ils ont eux-mêmes peur pour leurs enfants, ils ont peur de leur voisinage, et bien souvent, ces gens-là déménagent euh, de leur quartier d'origine et vont vivre dans des endroits où il y a des gens qui ont leur classe sociale, autrement dit, pas mal de blancs. Je signale aussi que, inversement, je suis sûr, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais je suis quasiment certain que le nombre de pourcents de, de Noirs et de Latinos qui ont réussi doit être plus ou moins équivalent à la partie de la population blanche qui n'a pas réussi. Et qui sont en fait en Amérique des, des rednecks, des gens des campagnes avec des pick-ups et des fusils et qui passent leur soirée dans les... Dans les, 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 les comment on appelle les... Les bars à striptease, euh, devant une bière après le travail, vous voyez le genre, quoi. Donc, en fait, c'est une question de proportion. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'êtres humains. Euh, je veux dire, quand tu, quand tu pars avec 5 km d'avance, tu dois vraiment être très, 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 très mauvais pour te faire rattraper par ceux qui avaient 5 km de retard. Et quand tu as 5 km de retard, tu dois être très, 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 très bon pour attraper les plus mauvais de ceux qui étaient devant toi. Ce qui explique que une minorité de noirs et de latinos arrive à rejoindre le groupe des blancs, et une minorité de blancs se retrouve rattrapée par les noirs et latinos. Bref, je, 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 je me comprends, j'espère que vous me comprenez aussi. Alors, la suite, c'est quoi Et je vais vous démontrer que cette histoire de racisme est une... Immense imposture. Immense imposture. Je me bats depuis des années pour dire que c'est un, une imposture. Le blanc américain qui a réussi, il va préférer avoir comme voisin un couple de noirs américains qui ont leurs enfants à l'université qui ont tous les deux leur petite voiture. Hello, hello, how are you, machin? Vous avez acheté une nouvelle tondeuse? Ah oui, nous aussi, regardez, on a, a planté des fleurs, bababi, bababa. Il va dire, euh, ah, j'aime bien ces, ces noirs américains, ils sont vraiment sympas, les nouveaux voisins. Euh, je ne suis pas raciste, moi j'aime bien les noirs, j'ai un voisin noir et ce sont de grands amis. Ils viennent manger à la maison, nous allons chez eux, nos enfants jouent ensemble. Bon. Si demain, tu mets à ce blanc. Un, un de, de ces groupes de blancs dont j'ai parlé, qui ont échoué, qui boivent des bières sur la terrasse, qui font des renvois, euh, qui se battent, qui donnent des gifles à leurs femmes, qui, qui sortent une arme au premier problème, il va dire ah, Ces blancs nous font peur, c'est pas possible, ils doivent partir du quartier ou bien c'est nous qui partons. Ils vont se trouver dérangés par ces blancs. Alors que ces gens ont la même couleur de peau que, Le racisme n'existe pas. Ce qui existe, c'est que les gens sont dérangés, perturbés, insécurisés par les gens qui ne leur ressemblent pas dans leur comportement, dans leur langage, dans leur façon de vivre. Vous comprenez C'est ça la vérité. On n'arrête pas de mentir aux gens, c'est pour devenir fou. C'est pour devenir fou quand on connaît le terrain et la vie. Inversement, vous prenez un quartier noir américain. Le rap, la musique, machin, la bière, les, les joints, le, le marché de la drogue. Et vient s'installer là un couple de bobos blancs, euh, on a envie de vivre avec les blacks, on n'est pas raciste, euh, on en a marre des bourgeois blancs, machin. Euh, ils vont être suspects, ils vont être jugés comme bizarres, euh, ils, vont, ils vont être vus comme des faibles, ils vont être. Euh, on va leur manquer de respect. Voir on va les voler, etc. et compagnie. Le, le, le monde, il est ainsi fait, en fait, que malheureusement, les gens sont parfois prisonniers de leur image, de leurs origines, de leur, euh, de leur euh, aspect, etc. Qui fait que, à un moment donné, il y a des espèces de barrières invisibles qui, qui se mettent en place et où, en fait, il faut donner beaucoup de gages pour les, pour les briser beaucoup de gages. C'est-à-dire, il faudra devenir un blanc comme Eminem, je suis un rappeur comme vous, je, je vis comme vous, je pense comme vous. Je... Alors on va dire, ah ouais, c'est un blanc, mais il a un cœur de noir. Bon. Et, et là, ça va disparaître. Et donc, c'est la même chose en sens inverse. C'est-à-dire, les blancs, pour intégrer à leur, à, à, leur, à leur vie, à leur famille, des gens d'origine étrangère, quelles que soient leurs origines, il va falloir donner des gages. Bon. Parce que c'est comme ça que la nature humaine fonctionne. La nature humaine est méfiante. La nature humaine n'aime pas euh, l'inconnu. Et ça s'arrête pas du tout à des questions de couleur de peau. Euh, je veux dire, faites un sondage. Si vous ne me croyez pas, hein, faites un sondage auprès anonyme, anonyme, auprès de blancs français, par exemple. Et vous leur dites, vous préférez avoir un, un voisin arabe euh, qui travaille, euh, je sais pas, euh, comme euh, comme euh, vendeur dans un, dans un restaurant, euh, qui a sa petite famille, machin, ou vous voulez euh, des gitans, euh, des roumains, vous ne savez pas c'est qui, c'est quoi. Je veux dire, à un moment donné, je sais que les gens voudraient qu'on qu dise mon nom de famille, ma peau, etc. C'est vrai dans un premier temps, parce que je vous ai dit, il y a des euh, murs invisibles qui se forment sur la base, sur la base des a priori, mais des a priori qui existent. C'est-à-dire que oui, dans les délits aux États-Unis, les latinos et les, et les noirs américains sont surreprésentés dans les prisons aussi, d'où le fait aussi qu'ils sont facilement jetés en prison, parce qu'on dit oui, mais euh, un noir peut pas se défendre, il n'a pas autant d'argent qu'un blanc pour payer des bons avocats. Ben oui, parce que la vie, c'est un enchaînement. Tout est interconnecté. Vous le savez, j'arrête pas de le répéter. C'est-à-dire, tu viens d'une classe sociale pauvre. Les juges ont une mauvaise opinion de toi à la base. Tu n'as pas l'argent pour payer un bon, une bonne personne pour te représenter. Tu te, tu te défends mal parce que tu parles mal, parce que tu réagis mal, parce que tu as l'air d'eux. Et donc, tu as beaucoup plus de chances qu'un gars euh, qui est bien éduqué, qui sait se tenir, qui a 3-4 avocats autour de lui, euh, tu as beaucoup plus de chances de ramasser. Et puis dans 20 ans, on te dira, ah excusez-nous, on a fait un test ADN, c'est pas vous. Tenez 2 millions de dollars, pardon. Bon. Le système fonctionne comme ça, parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'il y a plein de cas à juger, parce que la justice manque de moyens, et donc, bah, donc bah, comme le reste, on est dans les jugements rapides. Il a l'air de, il ne sait pas se défendre, il parle mal, beaucoup de preuves contre lui, en avant, crack-boom. Et, et c'est comme ça pour tout. Donc, bon, là on est dans les constats, hein. on est dans les constats. Donc c'est assez facile les constats. Euh, je ne vais pas répéter ce que, tout ce que je viens d'expliquer. Il euh, faut éventuellement réécouter. Moi, personnellement, je ne jette pas la pierre parce que euh, moi aussi, je n'ai pas envie d'avoir des voisins blancs, noirs, arabes, esquimaux, pakistanais, qui gueulent, qui puent, qui cassent, qui ont des enfants, qui hurlent, qui ont des chiens, qui aboient sur tout le monde. Oui, moi, je n'ai pas envie de ça non plus. Et je ne suis pas un raciste. Je suis contre ce qui perturbe ma vie. Et j'attends de mes voisins qu'ils soient, de quelques origines que ce soit, un peu de civisme, un peu de bonne éducation, un peu de préoccupation du voisinage et, et, et de dialogue pour pouvoir s'arranger. Pour le reste, ce qu'ils mangent, ce qu'ils rêvent, ce qu'ils prient, ce à quoi ils ressemblent, c'est pas du tout mon problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas. Mais comme ils sont parfois pas très intelligents, comme ils sont parfois manipulables, bien ils se disent tous les Arabes sont comme ça, tous les Noirs sont comme ça, euh, parce que parce que ben, ils voient les médias, euh, ils entendent les gens euh, et ils n'ont pas de profondeur. Donc oui, oui, le racisme il existe parce que tout le monde n'est pas profond, tout le monde n'est pas euh, intelligent euh, et les gens ne, ne comprennent pas. Ne comp Moi ce que j'ai toujours dit, je, je le redis. Les gens ne comprennent pas que ce qui nous réunit avec d'autres êtres humains, c'est une éducation et une langue. J'avais donné l'exemple à l'époque. Si on vous met dans une île déserte, abandonnée, naufragée, avec tout un groupe de gens, dans, ce, dans ces gens, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des arabes, et bien vous verrez qu'à un moment donné, vous allez faire équipe avec des gens qui parlent comme vous, euh, qui arrivent à dialoguer avec vous. Et le blanc qui parle je ne sais pas quelle langue, qui vous est étrangère, vous ne comprenez rien, tout blanc qu'il est, vous ne pourrez rien partager avec lui. Parce que ce qui nous unit, c'est une culture. Euh, quand je dis culture, ce pas religion, attention. Hein. cest qu'on peut être euh, juif français, euh, musulman français, euh, français chrétien, etc. Donc avoir des convictions religieuses fortes, mais partagées avec des personnes, un espèce d'imaginaire collectif qui est basé sur les films qu'on a vus, les dessins animés qu'on a vus, l'école qu'on a fréquentée, etc. Euh, personnellement, euh, je ne souscris pas, je ne souscris pas. Je vais expliquer pourquoi à, à, à cette idée que euh, il faut vivre en France, dans nos mosquées, dans nos écoles, euh, en s'enfermant chez nous. Je pense être une solution à court terme. C'est-à-dire, à court terme, on a l'impression que c'est bien. Je suis en France, mais je suis dans ma bulle. Je ne fréquente que des gens comme moi. Euh, mes enfants vont à l'école avec des gens comme eux, etc. C'est se poser le problème qui va se présenter plus tard, tôt ou tard. Et là, la, la, et là ça sera plus difficile à gérer parce que euh, les enfants seront inaptes à, à gérer la, la, la vie multiculturelle et vont être perdus, et vont devenir violents, ou, ou, ou aigris, ou euh, amers, parce qu'ils sont pas formés. Pour moi, l'idéal, l'idéal, c'est que un musulman, mais, ou un autre, hein, mais un musulman, une musulmane, comprenne le monde dans lequel il vit, sache parler avec tout le monde, connaisse la façon de vivre et de penser des autres, il ait sa propre façon de penser et de vivre, mais il n'est pas dans le... Dans la construction d'une bulle personnelle, qu'il évite de tout simplement comprendre le monde, monde qui est ce qu'il est, qu'on le veuille ou non. On est dans un monde où il y a des défilés de gay pride. On est dans un monde où des homosexuels se marient. On est dans un monde où il y a de la pornographie qui est accessible facilement. On est dans un monde comme ça. Ça sert à rien de le nier ou de faire semblant que non. Il faut faire avec. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire un travail pédagogique de réflexion. D'analyse auprès de sa femme, ses enfants, ses amis. Et on ne peut pas se contenter de dire, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, monstre, pervers, dégueulasse, euh, haram, machin, et, 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 et puis euh, se réfugier au fin fond d'une grotte. Ça, on fait, comme dans la sourate El-Kaf, ça, on fait en fait quand on, on, on sort totalement de la vie avec les autres. Alors À ce moment-là, on peut le faire parce qu'on a. Complètement rompu les ponts. Mais pas quand on est gardien de sécurité des magasins, qu'on va dans son kebab et qu'on vit, on prend le, le métro, la RATP, au milieu des Français. Ah non. Vous comprenez Souvent on nous dit oh mais la caverne, la sourate de la caverne, c'est la sourate de la fin des temps, euh, on est dans l'époque de la caverne. Ah, si tu penses qu'on est dans l'époque de la fin des temps, et si tu penses que c'est la caverne, alors coupe tout. Coupe tout. Quitte Paris. Quitte Toulouse, quitte Marseille, quitte Lille, va au fin fond de l'Auvergne, prends quelques moutons, prends des poules et des lapins, vis à la campagne, prends, tes, prends ta, ton RSA, etc., et, et loue une maison à la campagne à 400-500 euros par mois, et coupe, et éduque tes enfants à la nature. Là, d'accord, la caverne. Mais si tu me dis la caverne, mais je vis à Paris, je prends le métro. Je travaille au milieu des couffards et, et, et mes enfants ils sont entre la, 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 ceux qui font des courses de quad, la, la, la PlayStation, euh, la, la, la télévision, euh, Instagram, euh, la laïcité, machin. Ah, mais c'est la caverne parce que le samedi il va au cours du Coran et, et, et tout le monde a un camis ou une barbe, je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. Là tu crées des schizophrènes, tout à fait autre chose. Je suis désolé d'être cash, mais il faut le dire. Là, tu crées des schizophrènes, des gens dangereux. Donc, ou tu vas au bout de ton, de ton truc, ou bien tu te composes et tu prépares ton enfant à vivre dans une, dans une vie euh, multiculturelle, où il va devoir fréquenter des gens parfois très bizarres, parfois très incroyables dans leur façon d'être et de penser. Mais il faut savoir vivre avec eux parce qu'ils sont là. À moins de créer des énormes goulags où on, on, on tue des millions de gens, ces gens, ils sont là, ils existent. Voilà. Et c'est loin d'être simple, des problèmes très compliqués. Euh, et on peut pas, euh, comme ça, vouloir vivre au milieu de ces gens sans les connaître, sans les fréquenter, sans les côtoyer. C'est pas bon, à mon avis. Bon, bref. Donc, euh, comment conclure ben, Conclure sur les solutions, après les constats. Les solutions, c'est de ne pas tenir des discours bêtes. Je suis raciste, je suis pas raciste, j'aime les noirs, j'aime pas les noirs. Et, ou les arabes, peu importe. Ça, c'est pas intéressant. On va laisser ça aux gens qui, malheureusement, n'ont pas un niveau intellectuel suffisamment élevé pour sortir de, de ce genre de discours. Et alors, pour les gens intelligents, qu'est-ce qu'il faut se dire ben, Il faut se dire que, dans la vie, il faut faire l'effort de juger au cas par cas. C'est pas facile, parce qu'on a des mécanismes en nous qui nous poussent à généraliser, mais il faut essayer de juger au cas par cas. Premièrement. Deuxièmement, quand on est arabe, quand on est noir, on ne peut pas nier qui sont les gens qui nous entourent. Vous-même, soyez tous honnêtes. Vous êtes très nombreux, vous m'écrivez, donc je sais, vous êtes très nombreux à éprouver soit de la honte, soit du mépris, soit de l'amertume envers votre famille. Je ne dis même pas votre ethnie, votre famille. Ils ne comprennent rien ils me prennent pour un bargeau, ils disent que je suis un complotiste, ils disent qu'Internet qu m'a bourré la tête, et j'en peux plus, et on ne me comprend pas, et je me sens comme un étranger parmi les miens, etc., etc., etc. Vous savez vous, vous savez de quoi je parle, puisque vous m'écrivez ça. Donc, quand vous, quand vous réalisez que même vos proches sont parfois une source de déconvenue pour vous, de tristesse, de honte, de rejet, imaginez-vous le français de souche ou l'américain de souche, enfin de souche, on se comprend, blanc, occidental. Lui, qu'est-ce qu'il va penser de tout ça Mais Qui sont ces gens Ils disent qu'ils sont musulmans. Et puis je vois qu'ils se mettent en deuxième file, qu'ils gueulent, que leurs quartiers sont pleins de poubelles, que leurs enfants sont des petits gremlins. Et puis les femmes, on dit qu'elles sont pudiques. Et le voile. Et puis je vais sur Instagram et Facebook je vois plein de filles qui font des bouches en queue de poule, qui ont les yeux pleins de maquillage, qui font les mystérieuses. Qu'est-ce que c'est que ce micmac, en fait On me parle que l'islam, c'est le respect des autres. Et puis, et puis je vois qu'ils bloquent le périph', qu'ils gueulent, qu'ils klaxonnent, qu'ils qu qu vendent de la drogue. Qu'est-ce que c'est que cette religion Je ne comprends rien. Imaginez-vous. Déjà, nous, on est dégoûtés. Vous m'avez entendu, qu'est-ce que je dis sur les maghrébins. Imaginez-eux sont pas musulmans. Ils voient, le, ils voient leur pays partir à volo, avec l'agent de Rothschild qui fout tout en l'air, leurs enfants qui virent célibataires endurcis, homo, travlots. Euh, ils n'ont plus de petits-enfants. Euh, tout part en cacahuète, quoi. Et donc, évidemment, ça rajoute à ça euh, une grande majorité des Noirs et des Maghrébins qui sont délinquants, inciviques, impolis, etc. Ben les gens, ils deviennent fous et ils disent, Marine, Marine, vite, Marion, viens nous sauver. Et les autres, les deux petites blondes, elles se frottent les mains, tiens, il y a du fric à se faire. C'est tout. On est dans un monde euh, qui est malheureusement gouverné par la bêtise, par l'argent, par, par, euh, par toutes sortes de choses qui sont loin, loin, loin de la vérité et des raisonnements intellectuels. Euh, parce qu'alors on dit, euh, moi je déteste en fait tout ce discours de gauche aussi. Euh, oui, mais les Noirs et les Arabes n'ont pas accès aux études, donc c'est la misère sociale. Bon, euh, c'est le même discours victimisant avec les Palestiniens et les Juifs, etc. etc. Je vois la même chose, hein, c'est le même principe en fait. À un, moment donné, à un moment donné, on fait des choix personnels dans notre vie, même si on habite une tour HLM, de dire est-ce que je passe ma soirée entre FIFA 2020 et Hanouna ou je vais dans ma chambre lire et voir des vidéos sur YouTube instructives sur X, Y sujet. C'est des choix. Est-ce que je reste en bas de ma tour et je fréquente les dealers, je fais des courses de quad, etc. Ou je vais à tel institut, à telle bibliothèque, machin. C'est des choix. Je veux dire, je sais que... Je ne sais pas comment expliquer. Moi, j'aime bien que l'être humain soit face à sa... À sa Face à ses, à ses, à ses responsabilités, tu peux, tu peux pas dire, je veux une famille nombreuse, mais je veux une vie de couple où il n'y a que le couple et on a des relations quand on veut, il y a pas de bruit, on n'a pas de, on est libre. Vous comprenez on, on est comme ça, on, on est dans une époque où les gens en fait sont pas réalistes, où les gens disent, je veux me marier. Et puis après, quand ils sont confrontés à la première différence, à la première épreuve, ah non, non, si tu sais comme ça, moi, je, non, non, alors j'arrête tout, je divorce. Je, je veux dire, moi, je ne moi je, je veux pas faire de jugement, je dis juste, chacun fait ce qu'il veut. Ijra, pas Ijra, mariage, pas mariage, un enfant, deux enfants, dix enfants, chacun fait ce qu'il veut, polygamie, tout ce que vous voulez. Mais, mais, et alors il faut respecter les règles. Et il faut respecter les inconvénients. Tout choix a des inconvénients. Tu veux partir en Mauritanie pour ta religion Accepte tous les inconvénients, et ils seront nombreux. Tu veux rester Parce que tu estimes qu'il y a plus de justice sociale, de soins de santé, nanana D'accord, mais accepte les inconvénients. Vous comprenez Je lisais euh, à propos de l'histoire des Noirs américains, pour revenir un peu à la centrale du sujet. Je lisais euh, le Ghana propose aux Afro-Américains de revenir en Afrique, c'est chez eux, etc. Vous croyez que demain il y aura dix mille bateaux remplis de Noirs américains qui veulent retourner en Afrique Non, il y aura pas. Donc à un moment donné, c'est quand même un peu fou. On dit aux gens ou on, on dit je suis mal dans ce pays, j'ai pas d'opportunités, je suis pas respecté, et nos enfants tournent mal, ils finissent en prison. Et les flics nous tuent, etc. Mais je veux pas partir. Vous savez pourquoi ils veulent pas partir Pour la même raison que les Maghrébins veulent pas quitter l'Europe. La même chose. La même raison. Il n'y a pas de différence. C'est les mêmes choses, on change juste les têtes et les noms et les couleurs de peau. Parce qu'ils savent inconsciemment que parmi les leurs en Afrique ou au Maghreb, ils vont retrouver les mêmes mauvais traitements, les mêmes coups de la police. Les mêmes injustices, empire, en empire. En Alors ils disent, je préfère le, le blanc injuste parce que l'arabe ou le, la, le noir injuste, chez moi, là où chez moi dans le sens là où ma couleur de peau, là où les miens sont majoritaires, ils sont pires. C'est ça qui, on va jamais le dire. Hein. Oui mais non, l'Algérie, machin, j'aime, euh, Oran, machallah, bon. Ça, c'est la façade. Mais derrière la façade, c'est qu'ils savent, ils savent que les gens, que les policiers, que les juges, que les soldats, que les commerçants sont pires, plus corrompus, plus voleurs, plus médisants, plus sorcellerie, plus violents dans les coups, plus, plus et pire. Donc, à un moment donné, quelle est la solution si tu penses que l'Européen moyen ou l'Américain moyen est moins pire que tous ces gens-là, il va falloir trouver des manières de te faire apprécier. Comment Pas en vendant ton âme, pas en vendant ta religion, pas en devenant un esclave de maison. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Je le condamne, ça. Je dis sois ce que tu es. Sois fier de ce que tu es, euh, cultive tes différences, mais mais sois poli, sois aidant, sois un modèle. Montre que tes origines et ta religion sont une plus-value pour le pays où tu es, que tu apportes quelque chose, que tu es quelqu'un de honnête, de moral, de civique, de généreux, d'attentionné, d'éthique. C'est la seule chose à faire. Pour le reste, Allah. On ne maîtrise pas le destin, on ne maîtrise pas le, le, tout ça. Et si tu, es, si tu es un musulman noir africain ou maghrébin, juste, généreux, pondéré, honnête, euh, aidant, tout ce, tout ce que j'ai déjà dit, Allah il te donnera des gens qui vont t'aimer, des gens qui vont te protéger et une issue favorable. Mais si tu es dans les plaintes, les délits, les vulgarités, les cris, la casse, l'incivisme. et tu dis, je veux rester ici parce que chez moi c'est pire. A que du mal pour arriver. que du mal pour arriver. je sais que c'est des concepts un peu compliqués. je sais qu'on est loin du blanc et du noir. j'aime les noirs, j'aime pas les noirs. le racisme, c'est pas bien. mais vous avez le devoir d'aller plus loin. Les apparences et plus loin que les slogans, euh, je veux dire, faciles, réducteurs et donc faux. Non, c'est plus compliqué la vie. La vie, c'est plus qu'une couleur de peau, c'est plus qu'un nom de famille, c'est toute une série d'actions et de réactions humaines. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Euh, j'espère que vous m'avez compris. J'espère, j'espère, j'espère. Et euh, à très bientôt pour euh, les lives qu'on essaye de mettre en place, c'est pas facile parce que là aussi il faut un peu accorder tous les, toutes les comment dirais-je tous les tendances et tout, c'est pas évident mais on y, on y arrivera inchallah. À bientôt, salam Alaikum wa rahmatoullahi wa barakatuh